c'est Kalen Regan pour vous présenter une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci sur World of Tanks. Alors j'ai eu un nouveau projet, comme je pense que beaucoup de gens le savent, il y a les 24 heures du Mans qui vont commencer. Alors j'ai décidé de faire les 24 heures du charme. Donc moi ça durera pas 24 heures hein. Ce sera plusieurs vidéos en trois parties en fait. Donc là aujourd'hui nous avons Brizou, Kakador, The Hardcore Gamer et Tank19MX. Bonsoir à eux. Donc alors je dis juste où il faut aller, on va aller en HE0. Donc voilà, donc salut Brizou, salut Kakador, salut The Hardcore et salut Tank. Donc voilà, donc, oh ça lag. Donc je pense que moi je prendrai trois chars différents à chaque fois. Donc je prendrai je prendrai le BT7, ensuite le LCMX ou T2. En fait je ferai BT7, le LCMX, T2 Lite. Donc je commence par le BT7. Ensuite ce sera, je sais pas lequel char je prendrai. Donc là on fait une course hein. Donc mes plus redoutables adversaires sont le LC et le L4. Voilà. Donc là on va attendre Kakador pour qu'il arrive. Donc venez hein, venez tous à côté de moi. Donc je vous explique les règles hein. On commence, donc on va passer en A0, on va suivre la ligne jusqu'en A5. Ensuite on va continuer, on va passer en B2, B3. Ensuite on va continuer le long des rails en faisant D2, E2, G2, tout ça. On va remonter ensuite en passant par K2, K4, K5. Remonter par où on est arrivé et c'est le premier, en faisant un tour, et c'est le premier arrivé ici qui gagne la course. Vous avez bien tous compris? D'accord. Wow, il fait quoi lui? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, donc ouais, The Hardcore Gamer m'entend pas, donc voilà, ça va être compliqué. Voilà, tant qu'il est là. Bon. Donc là. Alors moi, on va dire que. Moi, je représente Lodi, Kakador, les. Peugeot, si je dis pas de conneries. Ouais, donc chacun un truc, d'accord. Bon, allez, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Donc voilà, les 24 heures de charte démarrent, donc je commence en premier. On le fera dans la prochaine, Kakador, ça sera plus drôle. Donc je démarre, voilà, c'est parti. Donc je suis en première position, là je suis suivi par le LC et le L4, comme je le disais aussi. Ensuite derrière il y a le BT2 et ensuite le type T34. Donc je vous l'ai dit, le LC va être... pas le droit de pousser non plus, Brizou. Parce que fais gaffe au L4 en vitesse maxi, nous fout tout ça en vent. Oui, donc là c'est le L4 qui est passé devant. Donc je vais essayer une technique en fait. Hop. Désolé Brizou, j'ai pas fait exprès. Donc je vais essayer une technique, c'est de laisser passer pour l'instant le L4 pour qu'il me détruise mes obstacles. Les obstacles comme ça. Non, là j'ai une technique en fait, c'est passer directement par les rails, ça nous fait ralentir. Donc moi je passe par là. Oui, donc c'est la ligne hein. Donc je passe par là, ensuite je vais remonter, ça m'évite de ralentir dans les rails. Regardez le L4 là, je le fous avant, parce qu'il va se prendre des obstacles qui sont là. Regardez, il se prend ça, il ralentit encore un peu. Hop, moi je passe ici, voilà, tac. Donc je perds juste, allez, 5-10 km/h. Ensuite je passe par ici, je me mets directement là, pour pouvoir encore moins perdre de vitesse. Donc voilà, je passe par là. Non les gars, on va faire deux tours, ça sera plus drôle. On va faire deux tours, donc ça sera une vidéo en deux tours, ça sera plus marrant pour qu'ils aient le temps de me rattraper. Et dans le deuxième tour, il y aura le droit de ramer par contre. Hein. Voilà, pour rattraper les gens, il y aura le droit de ramer. Donc je suis en première ligne, le L4 essaie de me rattraper. Bon, je pense que je vais gagner la course parce que le LC a eu un bug, donc il s'est bloqué. Voilà. Ensuite, donc je remercie Kakador, Brizou, The Hardcore Gamer et Tank d'avoir fait la vidéo avec moi. Donc je crois qu'ils seront là dans les prochaines. Dans les prochaines, on rajoutera toujours un peu plus de piment. Dans la deuxième, on pourra tirer, ramer, se cacher. Par exemple, on fera en fait, ce sera le. Et on fera en 5 tours la prochaine.
Et c'est. On aura. Si les gens sont un peu trop en avance, ils auront le droit de se cacher et tout pour tendre des pièges aux ennemis, tout ça. Voilà. Aussi, ce que je veux vous dire, c'est que. Bon, là, je suis sûr de gagner absolument. Donc, oui. Le deuxième et le troisième. Le deuxième et le troisième de la course auront des avantages pour les prochains. C'est-à-dire qu'ils pourront. Le premier, ils ont, le premier, deuxième, troisième auront des avantages pour la première course. Genre, ils commenceront en 5 minutes avant, ou alors ils auront le droit de péter une chenille au départ pour ralentir les autres. Voilà, ils auront des astuces. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu cette idée en voyant les 24 heures du Mans, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Oui, dans la première vidéo, en fait, c'est juste une petite vidéo d'introduction pour permettre de vous expliquer tout ça. Dans la troisième vidéo, ça sera le plus drôle parce qu'on aura le droit de prendre tous les chars qu'on veut et on pourra faire ce qu'on veut. Donc, mais on faudra quand même premier, deuxième, troisième et on pourra carrément rentrer dans les chars, carrément les détruire. On pourra carrément les détruire, tout ça, se cacher ou ça. Et je ferai une prochaine vidéo très rapidement, je pense aussi. C'est un nouveau type. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Ça s'appelle Zombie vs Humain. Donc là, je vois que le L4 et le LC sont en train de s'amuser. Je sais pas ce qu'ils font. Vous faites quoi, Cacador et Brizou, là? Parce que je vois que vous vous amusez. Donc voilà. Ensuite, bon, s'ils me répondent pas, c'est normal parce qu'ils font la course. Donc, Tank 19 AMX et Stock Car, ouais, j'avoue. Ouais. Donc, Tank 19 AMX est un nouveau, très récent, un peu comme The Hardcore Gamer. Donc, vous l'avez jamais vu dans mes vidéos. Donc, j'essaierai aussi de vous faire une vidéo de peloton pour présenter chacun de mes gars qui sont dans la team. Donc, il y aura à peu près. Ce sera. Je ferai 5 vidéos en gros. Non, peut-être pas 5. J'essaierai de vous faire un entraînement ou d'essayer de rejoindre le plus possible. J'essaierai de rejoindre le plus possible de. J'essaierai de remettre le plus possible de gens dans. De mon clan. Dans. Bon, ben j'ai gagné. Hein. Bon, voilà, j'ai gagné. C'est bon, c'est pas. J'essaierai de mettre. Oui, je vais arriver à le dire. De mettre le plus possible de gens qui font partie de mon clan dans la même salle pour pouvoir vous les présenter un par un. Donc là, vous voyez un peu Gakador, The Hardcore Gamer et Tank 19 AMX. Donc là, je vais essayer de rentrer dans le LC pour pouvoir le tuer. Non, ça sera pas toi, Brizou, qui terminera la course. Non, je déconne. C'est généralement. Tu termineras pas la course, hardcore. Tiens, voilà. Donc voilà, c'était un petit fin de marrant. Donc dans la deuxième vidéo, on pourra tuer tout ça. Hein. Dans la deuxième course, on pourra tuer tout ça. Hein. Tuer les ennemis, voilà, tout ça, tout ça. Dans la troisième, je vous réserve une surprise. Donc voilà, la course est terminée. Hein. Bon, merci à tous d'avoir participé. C'était Ken Regan pour vous présenter une vidéo. Donc voilà, bon allez.